Les taux de revalorisation des retraites publiés au Journal officiel. Les taux de revalorisation des pensions et allocations de retraite, décidés en Conseil des ministres par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ont été fixés dans un arrêté ministériel publié au Journal officiel numéro 36, du 14 mai 2024. Dans son article 1er, l'arrêté en question a précisé que les pensions et allocations de retraite de sécurité sociale prévues par la loi numéro 83 à 12 du 2 juillet 1983, sont revalorisées par application des taux fixés comme suit. 15% pour les pensions et allocations dont le montant est inférieur ou égal à 15 000 dinars. 13% pour les pensions et allocations dont le montant est supérieur à 15 000 dinars et inférieur ou égal à 25 000 dinars. 12% pour les pensions et allocations dont le montant est supérieur à 25 000 dinars et inférieur ou égal à 35 000 dinars. 11% pour les pensions et allocations dont le montant est supérieur à 35 000 dinars et inférieur ou égal à 42 500 dinars. 10,75% pour les pensions et allocations dont le montant est supérieur à 42 500 dinars et inférieur ou égal à 70 000 dinars. 10,50% pour les pensions et allocations dont le montant est supérieur à 70 000 dinars et inférieur ou égal à 100 000 dinars. 10,25% pour les pensions et allocations dont le montant est supérieur à 100 000 dinars et inférieur ou égal à 150 000 dinars. 10% pour les pensions et allocations dont le montant est supérieur à 150 000 dinars. L'arrêté précise également, dans son article 2, que les taux prévus à l'article 1er ci-dessus s'appliquent au montant mensuel de la pension et allocation de retraite découlant des droits contributifs, et dans son article 3, que les taux prévus à l'article 1er ci-dessus s'applique au montant mensuel de la pension d'invalidité découlant de l'application de l'article 42 de la loi numéro 83 à 11 du 2 juillet 1983 susvisée.